Et bonjour, internotatrice et internotateur, ici Gaël pour Chelucine avec Éternel. Coucou. Voilà, donc on fait un petit point sur la situation. Éternel fait du rentre-dedans sur Skarsnik, si je comprends bien. J'avais commencé, mais il y a l'invasion naine qui s'est mise au milieu en Il y fait, a les nains qui... Ah oui, d'accord, et les nains qui sont partis au nord. D'accord. donc qui ont pris la mine Arictus, la Black Iron mine Ouais. Arictus, et que du coup je vais leur reprendre derrière. C'est bien, ça me compléteront la province. Eh oui. Du coup. Et tu fais d'une pierre deux coups puisque tu vas arriver à te débarrasser de ces nains-là. Normalement, c'est leur dernière Voilà. armée. Enfin, ils en avaient que deux, mais. Ensuite, t'auras juste Thorgrim à faire, quoi. Et Ugrim et Juvbar. Bah, je pense pas que je monterai jusqu'à Ugrim, ceci étant. Je pense que je m'arrêterai à Juvbar, mais. Parce que normalement, là, moi, j'en ai déjà une. Si déjà je me fais Thorgrim, ça fera deux. Juvbar, ça fera trois. Et toi, t'es censé t'en faire trois de ton côté aussi, Je suis donc. censé en faire trois, moi. Je suis censé me faire Bah, t'es censé te Mikael. faire ceux qui sont chez toi. Ouais, Karakazorn. Tu dois te faire Karakazorn. Alors. Je dois me faire tout au nord Non, ça c'est trop Krakadrak. loin, ça c'est trop loin, ça c'est trop loin, ça c'est trop loin. Ouais, Karakirn c'est loin. Karazakarak c'est pour moi, Zyubar c'est pour moi. Ah oui, toi, ça faut que tu te fasses Karakadak aussi. Mais ça fait deux, hein. Karakazorn. Ah oui, donc ça en fait deux pour toi. Ouais, non, il va peut-être falloir que je monte Ouais, jusqu'à. on verra. Bah, ça dépend de comment ça se passe au sud. Est-ce que... Ouais, ou sinon je traverse les montagnes pour aller me faire Karaxorn, mais c'est loin pour le coup. Ouais. Disons que quitte à monter et me faire les nains, autant que j'enchaîne Karazakarak, Zuvbar et Karakadrin. C'est clairement les trois plus proches, donc. Ok, bon écoute, on verra. Dans les projets un peu lointains. C'est ça. Tac, ouais, je vais terminer. Oh putain, je suis encore en perte moyenne. Oh, fiche. Ça croque un peu, c'est comme moi, hein. Les nains, ça croque un peu moins que les skaven ou les orques. Bon bah, allez, où, hein. Ça croustille un peu plus. L'avantage, c'est qu'il a un seigneur sorcier, mais qui est mourissant. Il lui reste 384 PV. Je pense qu'il va pas durer longtemps. Ouais, mais il peut avoir le temps de faire du dégât à 384p, mais c'est un quoi? C'est un nain de la C'est... gueule. Ouais, non, il a que du buff, lui, c'est ça. Ouais. C'est Ouais, ça, ouais. donc... Il ne fera rien. Ah oui, mais c'est celle qu'on a déjà fait avec C'est lui, un ça. seigneur en moins, quoi. C'est ça. Et pas mal de poignées en moins. Et pas mal de troupes en moins, globalement. Mais j'avais un peu trop de pertes. Pertes sèches, bien entendu. Ah, c'est pas la même carte, tiens. Je t'aime, Jean. Attends, ils arrivent par la mer en fort. T'as à peine un pixel d'ouverture de. Ah ouais, mais en même temps, c'est Skaven, ça se faufile partout. Hein. Ça. Ouais, bon. C'est beaucoup de Skaven, ça se faufile un peu moins. J'ai combien? T'aurais du 100 mouleur à la rigueur, je dis pas. C'est quand même plus dur à faire passer. Mais... de magie, ça devrait aller. Sauf que Oui, j'aurais c'est joué. vrai qu'effectivement, le passage n'est pas très très large. Allez, c'est parti. Tac, tac. Ça va être beaucoup plus frontal et beaucoup moins subtil que ça n'était la première C'est ça. Mes frondeurs, typiquement, je vais pas les mettre en premier plan. Tu passes de côté, Oui, c'était juste prévu essaye comme de ça. défoncer son seigneur le plus tôt possible, quoi. Je vais faire ce que je peux. Pense que... Je vais y envoyer mes deux assassins en fufu et en accélération de vitesse. Et puis voilà.
C'est le truc, c'est que là tu vas prendre cher en attendant que tes renforts arrivent. Est-ce que je vais peut-être me mettre un peu sur le flanc en fait? En train de me Si, dire. là, en frontal, ils vont piquer un peu quand même. Hein. Je vais me Parce qu'il a quand mettre. même, il a quand même beaucoup de mecs avec des boucliers, donc tes tireurs vont pas Oui, forcément leur non, faire grand-chose. c'est sinon, sinon je me recule. Ouais, je vais peut-être faire ça. Je vais me reculer. De toute façon, oui, t'as toujours. Ah, t'as juste un mortier, t'as pas de catapulte là? Non, j'ai pas de catapulte. Pour aller le chercher, pour le forcer à venir, ça peut être un peu plus compliqué. Mais... Du coup, je vais me reculer aussi, moi, parce que si Ouais. toi tu te recules, Ouais, c'est non, moi non. qui vais choper, j'avoue. On va faire ça, et puis de toute façon, les renforts arrivent dans 1 minute 44. Et puis, par contre, les frondeurs, il faudrait aussi qu'ils bougent. Sinon, ça va faire mal. Hop. Ouais, comme ça, je suis pas mal. Allez, zou. Je passe en x4, qu'est-ce qu'il me fait? Oula, qu'est-ce qu'il fait là? Il se réangle, je pense qu'il se réangle. La Ouais. question c'est est-ce qu'il avance? Il fait plus que se réangler là, il avance complètement. Ouais, mais il avance doucement. Moi ça me va. Qu'il avance doucement comme ça. Le problème, c'est qu'il est dans la masse, son seigneur, maintenant. Bon, moi, je peux me choper le groupe sur le côté, là, si tu ralentis un peu. Ok. Alors, hop. Saigne dans Ah, il a mis du fufu, salaud. 2 secondes. Je peux envoyer une invoque si Non, besoin. non, mais c'est... T'inquiète, mais j'en ai une, moi, qui pop, là. J'en ai une qui vient de pop. Ok. Je te la donne. Et j'ai mes renforts qui arrivent. Alors, ouais, ralentis un peu par contre, s'il te plaît, parce que Ok, pas de soucis. je vais commencer à faire le ménage. Oui, c'est ça, les renforts, ils ont du mal à rentrer. Bah, du coup, j'imagine, oui. Je vais coller une invoque pour essayer de retenir ce que je peux. Au milieu, moi j'ai commencé à tirer. Un tout petit peu. Je relance. Allez. Tiens, je te donne un autre assassin. Oh oui, venez vous jeter dans mon sort. Tout compris. Voilà. Déjà un peu plus propre. C'est marrant, mais les invoques elles fuient. C'est vraiment bizarre ça. Ah, du coup, tu t'es fait impacter par un. Ouais, bah il a envoyé deux troupes dans le sort que je venais de poser, donc Ah putain, il est à 0 kill. J'ai tué aucun modèle avec le Vortex. J'ai fait 8000 de dégâts, j'ai tué aucun modèle. Énorme. Il est mort son Lord. Je le vois plus, moi. Il est peut-être dans la. Bah non, parce qu'il n'y a pas son icône, donc Si, il est là. Ah, il était dans la forêt, d'accord. Il est trop loin pour moi. Hein. Je vais le. Je me suis fait intercepter, Je vais donc. shooter. Hop. Le cas échéant. T'en as besoin de tes invoques ou pas? J'en ai plus. Attends, bon d'accord, ça arrive au problème. J'en avais pas beaucoup. D'accord. Surtout en fait, je viens de lancer la troisième, un peu à un endroit pas très utile. En fait.
Bon, c'est bon, on leur démarre. Ouais, bah, vu ce qu'il lui restait. C'était effectivement pas très très difficile. Tiens, il y a ces. Des pistolets là. Des guerriers de Jade. J'espère que je vais réussir à tuer quelques modèles là. Ouais, ça va pas chercher loin la perte des modèles. Bon, je vais me faire Civil Bleacher. Ouh, les trappeurs de Noblar qui seront pire un tir de. Ah, attends, t'es sur Civil Bleacher. Bon, j'ai fait tirer mes katas dessus. Oui, mais c'est pas grave, c'est mes héros donc. C'est ça. Il risque pas grand chose. De toute façon, vu ce qui reste. Ouais. Tac. Hop. Yes, master. Scurry. What orders? Scrimri katokrek. Ça pique. C'est quand même un peu de la charpie. Ouais, de ton côté peut-être, du mien. Ouais, tu galères un peu. Ouais, ça tient les ogres, hein. C'est ça qui est chiant. Ils ont tous des boucliers, donc c'est un peu lourd à tomber. Ouais. Du coup. Ça va, non, ça commence à s'effondrer là. Mais... Tu veux que je mette que tout le tir de kata ou pas? Non, c'est bon, ils sont quasiment tous morts. De toute façon, y a pas besoin de poursuivre là. Non, c'est... Ouais, de toute façon, c'est fini. Oui, c'est bon. Ils sont tous en... Non, ça... Les triades ont pas mal tanké, honnêtement. Bah, ils sont un peu faits pour ça, hein. Oui, ça reste des rats, hein. Pour tanker, c'est quand même pas ce qu'on a fait de mieux. Oh, tout de suite, d'ailleurs, regarde mes... Ouais, c'est ça. Sorcier des Chines, 19 kills, mais 24 000 de dégâts. Regarde mes vermines de choc... La dernière fois, ils ont bien tanké, quand même, hein. Ah oui, non, mais vermine de choc, oui. Et vermine de choc, ça a quand même autrement plus d'armure et ça a un bouclier, quoi. Donc, Les triades des Chines... Ça a pas d'armure, les triades des Chines? Même. Pas... Ça doit pas non. Être full, hein. C'est du fufu, hein. Donc, Ouais. c'est... Mais c'est plutôt de l'armure de cuir que... C'est une unité de contre et d'assassinat, hein, donc... C'est pas un truc qui se balade en armure lourde. C'est pas faux. En fait, bah c'est ça qui est chiant d'affronter des ogres, c'est que comme il n'y a pas beaucoup de modèles, au final tu fais pas beaucoup de kills, quoi. Ouais, enfin, chiant, c'est un bien grand mot. Non, c'est décevant. Ah bah, c'est pas comme quand... 19 kills pour mon sorcier Ishin, c'est nul. C'est pas comme quand tu combats contre des zombies, on est bien d'accord. Voilà, oui, on a effectivement. C'est bien les zombies. Stop au kiki tout dur. C'est ça. Si tant 19 kills avec 24 000 points de dégâts, ça fait pas mal de points de vie le modèle. C'est ça. Bien, j'ai pris le grand hall de Gréchus. Ça te boostait un peu ton ligne comme ça. Je suis pauvre, peut-être. Tu n'as pas fait grand chose. De quoi? Non. 42 bouffes, non, on va éviter. We'll take it back with interest. Plus à la gueule. Oui, 25 d'armure à la triade des Chines. D'accord.
Ton poulet qui fait des siennes? Non, non, non. J'ai chopé le grand hall de Grécius. Merde! Il y a Grimgor qui a chopé une ville dans la province. Ah oui, celle-là était déjà pas complète, oui. C'est celle que tu peux avoir complète, c'est celle d'à côté, mais ça fait un moment qu'il a Ouais, d'accord. la vallée des cordes. C'est pour ça que je te l'ai laissé, c'est parce qu'au final, il n'y avait qu'une seule province qui était complète sans attaquer Grimgor, en fait. C'est la province où il y avait les rebelles, là, tu peux te faire Grimtop et Montthag. Alors avec un peu de bol, Karakazorn va descendre jusqu'à la vallée des cornes. Ce serait Bah, bien. le truc, c'est qu'ils peuvent descendre, monter, aller à gauche ou aller à C'est droite, quoi. ça. Donc Ils c'est ont un peu du bol, effectivement. le choix des armes. C'est ça. Mais effectivement, l'idéal, ce serait que, bon, au pire, tu peux nettoyer le reste et attendre d'ici 2-3 tours de voir ce qu'ils ont fait, hein. Ouais. Parce que ça a beau être Grimgore, les armées d'invasion, il va peut-être galérer un petit peu au début. Tout est ici. Ils sont pas encore trop bougés. Alors, qu'est-ce qui a level up? Toi, t'as level up. Si, je crois que. Ouais, si. Iron Rock, je crois que c'était Urzag et Thorgrim l'a pris. Je vais donner les bombes de camouflage à l'assassin des Chines au cas où. Ah, ça, oui, ça peut être pas mal ça, si jamais il devait se faire prendre à revers ou quoi que ce soit. Hein. J'arrive pas à faire remonter ma réputation. Moi. Ah, ça y est, Nagash. Follower of Nagash. Ouais, je prends. Tout sous est bon à prendre. Un petit commerce Ça se voit, tu fais des passage et diplomaties. non-agression à plus 1200 PO. J'ai mis un 1200 PO puisque ça me coûte en ce moment pour construire des bâtiments. Je sais pas si je vais en faire grand chose, mais. Bon, j'y crois pas trop, mais dans le doute, on va poser le siège. Mais j'y crois pas trop. Des fêtes de justesse. Avec ta deuxième armée? Avec mes Avec tes esclaves, ouais. esclaves. T'es Ouais, optimiste. je pose le siège. Bah, logiquement, il va faire une sortie. Mais. Effectivement, il va te sortir. Collecter les revenus, ça sert pas à grand-chose. Bien. Il était fait la réflexion, j'aurais peut-être pas dû prendre. Qui se lève, j'aurais pu le raser seulement. Ah bon? Sachant que j'ai les nains qui remontent en fait. Bah oui, bah, Kislev c'est pareil, toujours pareil, hein, c'est une province. C'est une province unique, c'est quand même toujours bon à prendre quoi. Ouais. Il va falloir que je la blinde. Ah, le problème c'est qu'il faut la défendre derrière, mais l'avantage des provinces uniques c'est que normalement elles ont quand même des garnisons qui sont quand même pas trop dégueu. Ouais, mais on va commencer tout de suite Alors après, par le bâtiment de garnison. l'autre option, ça peut être que je déplace mon avant-poste dans une de tes deux villes là. Comme de toute façon je recrute plus grand chose à toi. Prague ne craint pas grand-chose. Éventuellement déplacer mon avant-poste à Kislev. Qui C'est pas fou se mais c'est toujours très pris quoi. lève. Le truc, c'est qu'il est entouré par. Ensuite, je peux me dire aussi que je recrute une autre armée là. Ce serait pas forcément absurde. Ah, je peux te recruter du Jezai maintenant. Oui, Du globe toxique. tu peux recruter à peu près tout. Et effectivement, à peu près toutes les créatures aussi monstrueuses, j'ai l'impression. Oui, non, mais Ouais, les aurores de la portée, ça peut être pas mal ça. j'ai à peu près tout ce qu'il faut. Ou du canon. Que bien le canon. Je Ah, ça confirme. coûte cher, ça coûte cher le canon, mais c'est bien. 42. Ouais, c'est deux fois plus cher qu'une catapulte. Toi, je vais t'envoyer faire du blocage d'armée. Sachant qu'il ne faut pas que je recrute du bleu, parce que le bleu, j'en ai besoin pour mes unités éthérées. Ah oui, tout est mignon. Ah, j'ai encore perdu une unité. Voilà. Ah oui, c'est mes Deux canons. lanciers. Déjà, c'est une bonne base.
Et du coup, pour changer mon avant-poste, j'imagine que ça m'a coûté de la thune. Alors, qu'est-ce que je peux recruter ici? Je suis au max, je suis à 10 bleus, 5 violets, quoi. Et ouais, c'est ça. Tu recrutes rien d'autre. Alors, qui se lève? Ouais, ça me coûte 2000 pour le bouger. Tes boucliers. Bien, donc je suis à 20 sur 20 dans l'armée de Trott, lequel. Ah oui, c'est ça. J'ai vu que les Mongols les ont méchamment buffés, mais le problème c'est que c'est du point violet maintenant. Donc, c'est des trucs maintenant qu'ils ont. Ils ont. Alors ils sont pas éthérés ceux-là. Ils ont quand même 50% de résistance physique. Mais ils ont la rage d'en mêler maintenant. Donc, ça pique un peu. Et ils sont unspottable de base. Une spotable. Oui. Avec qui est-ce qu'ils sont en guerre, Krakadrak? Est-ce qu'ils sont en guerre avec tout le monde? Tu parles des invasions? Ouais. Ah, il me semblait que les invasions, justement, ils étaient en guerre avec tout le monde, mais... Ah, ça a peut-être changé, ça, depuis. Krakadrak. Ouais, non, c'est bon, ils sont en guerre contre la Grande Orthodoxie, donc ils vont leur tomber dessus. Non, c'est sûr. Je vais recruter une armée à Belfos. Qu'est-ce que je vais prendre? Un maître de la meute. Je recrute. Je peux pas recruter de technomage, tiens, c'est marrant. Je suis tellement pas bien avec. Tiens, d'ailleurs, j'ai une mission avec Skria. Ah, bon, normalement, les chances que je me fasse agresser du côté de KT sont quand même faibles. Pour l'instant. Attends, c'est ça. Alors, du coup. Hop, on a dit bouger à qui se lève. Hop. Ah, c'est marrant, en seigneur, il n'y a pas de seigneur adapté au. Comment à Mulder. À Ishin? Non, à Mulder. À Mulder? De seigneur de base, il n'y a pas de. Non. Du genre un packmaster évolué ou... Il y a, ouais. Y a seigneur de guerre, il y a les prophètes gris, experts assassins et technomètres. Select trade. J'ai pas de seigneur de guerre encore, je crois. Strong legs, vitesse. Ah oui, en plus, lui, il a level up. Ouais, lui, je le paye pas. Allez. Tac. 1, 2. Qu'est-ce que je vais recruter chez toi du coup? Putain, c'est 3 tours pour une abomination de Malphos. Attends, c'est une abomination de Malphos quoi. Et ça bouffe 2 pipes quoi. C'est 2 points violets hein, donc. C'est l'équivalent de mon Mortis Engine. Hein. Mais bon, je les achète à 0 donc ça va. Déjà. Petit canon ou catapulte de la peste. Et deux bouffes, un violet. Ah oui, mais ça veut dire je peux pas avoir droit de la portée si je prends. Ouais, je vais prendre qu'une abomination de la force. T'es quand même sur une saloperie 10 000 HP, Regen, Unbreakable. 1, 2, 3, qui a une chance de se faire proc une régène de porc quand elle est sur le point de mourir. 5. Et qui de toute façon, si jamais elle meurt, te fait pop des Skaven quoi. On est quand même sur un combo plus quoi. Donc, peut valoir 3 tours à être recruté.
Ce qui est nul, c'est que les rats-loups. Ah oui, mais ça, c'est si j'étais pas Mulder, ce serait sans doute pas des points bleus. Je pense. Ah, c'est des points bleus en. Ouais. Bon, est-ce que les rats ogres, ça fait le taf ou pas? Ah bah c'est une bonne unité anti-infanterie. Après, c'est quoi, c'est du tier 2, donc. Oui, c'est ça. C'est sympa. Ça vaut clairement pas une horreur de la portée, mais c'est du point bleu au lieu du point violet, quoi. Par contre, clairement à choisir, si t'as le choix entre horreur de la portée ou rat ogre mutant, il vaut mieux horreur de la Oui, portée. c'est ce que j'ai Là, pourtant, compris. ça a beau être beaucoup plus cher et avoir des bien meilleures stats. C'est ce que j'ai compris. Si quand tu regardes les stats en comparatif, ça n'a pas grand-chose à voir. Alors, le rat ogre mutant est bien au-dessus, mais. Bah, déjà, il n'a pas la régène. C'est quand même. Change la vie. C'est mieux pour des créatures à 100 de vitesse que t'envoies souvent en première ligne ou derrière, c'est quand même mieux si elles peuvent s'auto-entretenir, quoi. Bien, donc ça c'est fait. Effectivement, et les relous, effectivement, c'est du point bleu. Mais ça doit être le fait que je suis pas Mulder. Je pense que. Bah, je sais pas. Parce que là, je suis sur le roster général, donc. Oui, là je m'étais arrêté. Hop. Ah, j'ai encore un assassin là. Un assassin qui va pouvoir me faire. De la sous-unité. Allez. Kill kill. Oui. C'était pas indispensable, mais. Hop. Toi t'as Le bougé. canon Toi t'as bougé. à mal foudre spécial de Dikit. Il a un effet de contact, moins 100% de vitesse, moins 100% de portée, moins 100% de charge de vitesse de charge, moins 100% d'attaque de mêlée. Quand il tire. Voilà, ses projectiles, ça fait ça. Et ça te file plus 10 de cooldown à toutes tes capacités. Facile. Pas chiant, déjà. Facile. Alors, un petit chef avec dent tranchante. Ouais, dent tranchante. Et un petit maître de la meute. Ouais, c'est un tueur de monstres du coup, quoi. Et de héros sur grosse bébête. Puissance des armes, budget de charge, full défense, c'est bien. Les debuffs de zone, c'est bien. Alors, toi, tu vas prendre l'entraînement. Hop. Pouf. La base, parce que quand même, l'autorité, c'est la merde. Les sorts d'invoque. Stimule la croissance. Post-bataille, c'est bien aussi. Une compétence non assignée. Suite à toi. Ah oui. Ah, il t'en reste un. Bah, connaissance Mulder. Hein. Bonus de charge. Et ensuite, on fait les bâtiments. Alors. Toi, tu peux passer niveau 4, c'est une bonne chose. Tac. Zanshi. Zanshi, croissance plus 5. Est-ce que c'est le plus urgent? Peut-être pas. Ah. 10 000. Pouh, putain. Ah putain, plus 4% de campagne de même range pour toutes les armées. Ça, c'est bon quand même. Oui, tu m'étonnes. Et je peux en faire un par province. Je suis faction-wide? Ouais. Ah ouais, putain. Là, je vais avoir une rébellion au prochain tour. Ce qui m'arrange moyen. Rébellion imminente. Deux rébellions au prochain tour. Ceci dit, là, c'est sûr que vraiment rien que je collecte les revenus. Attends.
Et en diplôme. Rien de très intéressant dans l'immédiat. Un tour. Et gros lag. Ça sauvegarde. C'est ça. Cours de givre, c'est bon, ils ont plus d'armée. Ouais, ah, une grande orthodoxie qui t'attaque. Ouais, sans trop de surprise. Je vais même pas la jouer. C'est pas Gislev quand même. Non, mais c'est là où j'avais une. Ouais, bon. Là, en toute logique. Oui, c'est sa sortie, ça. Ouais. Je lâche le siège. On attendra le grand frère. Mais je me pose une question, non, c'est. En fait, il se mange de l'attrition au début de son tour quand t'as posé un siège. En théorie. C'est-à-dire que si c'est juste une garnison qui peut de toute façon pas faire autre chose que des sorties, tu rattaques pour le Ouais, centre en bah attrition pendant un tour et ainsi de suite et ainsi de suite, ça quoi. faisait partie des grosses râleries, je me souviens des tout débuts sur Ouais. Total War Warhammer 3 Bah bon, du signe. ça te prend 3 pompes, mais. Ah, les Mais nains. si t'as aucune autre armée et que c'est une armée toute pourrie. Ah oui, c'est effondré, Grimgore, en termes de rapport de force. Hein. Bah oui, il s'est peut-être pris une chasse par les nains quand même. Non, non, mais même si je pense que ça date d'avant ça. Hein. Là, il est quand même très très loin. Hein. Bah, même par rapport à moi. Okay. Par rapport à toi, j'osais bien imaginer. Caracazorn, Caracazul. Ah! Et ça sort! Bon, et bah, on Ça va y casser la attaque. bouche. Hein. On va y casser sa Il bouche. reste sorti des nains. Les nains sortent de la mine et ils sont pas contents. Alors, normalement, alors faut juste faire attention à ces mineurs à charge de démolition. Eh oui, ceux-là. Mais c'est le seul truc qui a du dégât de feu, donc. Je la vois pas là, ton armée. Donc. Est-ce qu'il Normalement, elle est moins pire, il n'y a pas de gyrobombardier. y a... Brise-fer. Il y a une unité de tueur qu'il va falloir. Oui, bah, il y en avait deux dans l'armée Ouais. précédente, hein, donc. Il y a Et... peut-être plus de brise-fer, je suis pas sûr. Non, c'était... Bri... Et il y a un hammereur, je crois qu'il y en avait deux dans l'armée d'avant. Il n'y a pas de... Et après, il y a du tromblon. Allez, c'est parti. Et là, la garnison, elle est Elle est subclaquante. moribonde. Bah non, Mais elle est... il y a un modèle de catapulte. Mais toi aussi, t'en as. Et c'est pas faux. Mais normalement, j'ai un peu plus qu'un modèle. T'en as 6. Et les miennes. Tiens, des spectres d'équerne. Bah, tu me pètes des spiritos, je recrute le modèle au-dessus. Hein. Les Graveguards, c'est des points bleus pour toi ou c'est des points verts? C'est une bonne question. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, je pense que ça doit être du point bleu. Parce que je crois que celle-là, elle est full point bleu, donc. J'aime pas être le dos au mur. Les bêtes. Il y a des tunnels d'autoroute chez les nains? Ah, C'est quand même vachement ressemblant, hein. c'est une mine. Oui, c'est quand même très très rond, ça fait quand même. Ça me fait penser aux mines des dans Guild Wars 2. Les hommes taupes là. Ouais. Alors, je trouve ça très très rond et très très droit en fait. Ça fait quand même vraiment tunnel humain moderne quand même. C'est des nains quand même. Hein. Oui, je sais bien, mais ça manque d'arêtes, ça manque de.
Passons. Hop. C'est marrant. Comme c'est moi qui joue, comme c'est mes armées, je te donne les fufus, et comme c'est tes armées, tu me Oui, donnes bah, les fufus. je prendrais bien le contraire, mais je m'en fous, hein, mais c'est juste Ouais, ça. que moi, typiquement, jouer de la masse, c'est pas ce qui est plus intéressant, donc j'ai autant que ce soit moi qui la joue et que je te laisse la partie un peu plus. Après, effectivement, si toi tu te sens mieux à gérer de la ligne Non, non, que faire de la micro, ça me dérange absolument pas de prendre le fufu et qu'on inverse. Hein. Bon, je vais éviter de me foutre en première ligne avec mes zombies quand même. Alors. pourquoi est-ce qu'il fait pas ce que je lui demande? Quoi? Non, il fait pas ce que je lui demande, ça m'énerve. Donc, Catapulte. essayez d'éviter de choper les charges explosives Ce serait mieux parce sur que mes ça épées. risque de piquer assez violemment. Sinon, c'est à peu près, peut-être pas autant que Gyro-bombardier. le gyro bombardier, mais je pense qu'il y a moyen que ça picote un peu quand même. Allez, c'est parti. Alors, Alors, on va essayer de ne pas se faire détecter. quelle est sa catapulte? Bah, c'est un peu l'intérêt. Ah putain, je suis trop lent pour ça. Ouais, Bah, c'est j'ai. l'intérêt, c'est comme il n'a pas de gyro bombardier, il n'a pas de spotter C'est normalement. ça. Donc... Et il en a. Un de ton côté de mineur. Brise-fer, mineur à charge explosive. Les autres sont. Il y en a un au milieu et un de mon côté après. Donc... Bon, non, de toute façon, je vais focus les Iron Drake. Attends, ceci dit, les Iron Drake, ça fait aussi des. Ah non, c'est en Non, mêlée. ça fait dégâts de feu au contact. C'est assez marrant, ça. Bah non, c'est du torpille. Ouais. Non, mais C'est du c'est. torpille, hein, donc c'est pas. Bonus contre Ouais, on va barre. tirer sur ces tireurs, c'est. Allez, c'est bon? Ouais. Bah, moi, je suis juste en mode contournement, quoi. Boum! J'ai un boulet qui vient de me. Je sais pas d'où ça venait. Comme s'il y avait un tir de canon. Bon, sa catapulte, elle fera pas Oui, il grand-chose. avance vite, hein, pour lui, nain. Bah, ils sont pas contents. Oui, mais ça reste du nain. Ça. Oui, mais c'est du nain pas content. Qu'est-ce que tu... Bon. Il arrive que je sois content, là, non? Oui, quand ça boit. À part quand c'est en train de picoler, oui. Ah, c'est important. Oui, c'est vrai que ça prend une partie importante de son temps. Mais c'est, Bon. je reconnais qu'ils Allez. sont J'ai l'impression particulièrement qu'ils sont rapides. rapides, quand même. Allez. Bon, je tombe sur sa catapulte et moi, en comparaison, je suis assez lent en fait. C'est bizarre d'ailleurs. En fait, je vais tomber sur ses arrières en fait. Je vais laisser juste un Bah, Spirit c'est très bien. Host, Ça me juste va. un Spirit Host sur la catapulte et les autres, je vais les amener derrière. Ah, le problème, c'est qu'en fait, du coup, les dragues de fer, il vaut mieux pas trop que je les chope au contact, quoi. Que t'évites de trop les choper. Bah, en même temps, si tu leur mets une charge. Tu Ouais. leur tapes une charge, ils risquent de pas aimer quand même. Hein. Ouais. Ils sont pas immunisés, ils seront plus immunisés à la psychologie parce que il me semble que les ah non c'est lesquels qui ah non c'est la Banshee donc t'envoies la Banshee en premier pour leur enlever l'immunité à la psychologie après ils vont se manger la terreur des unités éthérées ils vont pas aimer Ça enlève la Banshee Ah, c'est son elle a un cri. effet de contact Ah, qui c'est un effet enlève de l'immunité à la contact. psychologie ouais. Bien bon peut-être falloir que j'avance un peu quand même. Parce que de toute façon, sinon c'est lui qui arrive. Il vaut mieux que ce soit mes zombies qui se prennent les charges de démolition. Où est-ce que tu vois ça? Dans effet de contact. Tu regardes sur Attaque son. en mêlée. Draw Dead. Ah ouais. Remove immune to Ah c'est rigolo. psychology. Ah c'est bien ça pour se faire des tueurs. Ah bah complètement, quand t'affrontes du nain, c'est bien. Ouais. Alors non, parce que ça enlève pas le unbreakable. Ah. Ça enlève l'immunité à la psychologie, Unité, qui d'accord, est oui, ce l'effet qui est pas la même qui, chose. si tu regardes, c'est un effet qu'ont typiquement les Iron Drake. Ils sont immunisés à la psychologie, mais
les tueurs, ils sont imbreakable, donc eux, ça les affecte pas. Ça, comment tu le vois, le Unbreakable? Unbreakable, c'est un effet aussi. C'est le bouclier gris Ah non, pour attends, eux. je pense être sur les tueurs. Non, Tueurs, c'est. ils ont Unbreakable qui Ils sont est. où les tueurs? C'est, ils sont en première ligne là. Ah oui, là. D'accord, tueur de géant. Que je fasse la différence. Ah oui, un démoralisable. D'accord, ok. Indémoralisable, alors Bon. que les autres, J'ai c'est un compris. petit Ouais. cerveau. C'est bon Petit pour moi, un cerveau, il tueur. me dit la psychologie. Moi, je finis de donner mes ordres. Ah, ils sont vraiment allés super vite. Et Très j'ai vite. l'impression qu'ils ont été très 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 vite. Vitesse 28, pourtant. Pourtant, ça reste du nain quand 33. même. Ouais. J'aime trop les Spirit Hosts, se déplacent comme des vagues. Il y avait une troupe cachée. Zombies contre les tueurs, à mon avis, ça va pas être beau. La petite charge dans le dos là, bim. Allez me choper ces Iron Drake maintenant, avant qu'ils finissent de me défoncer mon mortier, s'il vous plaît. Merci. La catapulte c'est fait. Et c'est Boris Fair King. Ils ont quoi? Ils sont aussi une idée à psychologie. Ouais. Je crois qu'ils aiment pas mon Mortis Engine. C'est vraiment du focus hard là quand même. Putain, ils font mal quand même les Boris Fair. Oui, je te confirme que les brises fer aussi font du dégât de feu. Brice-fer? Ouais. Ou alors sinon. Non, Ah c'est. bah ils ont un missile, c'est pareil, qui en. Mais pourtant c'est pas du dégât de feu. Hein. Bah écoute, là ils sont tous enflammés, mes gars. Bah ils, je sais pas, ils sont peut-être. Ah oui, mais t'es en temps, t'es au contact avec les Iron Drake, hein. Les Iron Drake, au cas qu'ils infligent le feu. Ouais, peut-être. Ouais, ça doit être ça. Donc c'est peut-être ça, hein. Et puis t'as une unité de mineurs à charge Oui, mais de juste à côté, hein, donc ça doit pas aider non plus. qui n'a pas encore tiré. Même que ce serait bien si elle tirait pas. J'ai les marteliers aussi. Bon, ça c'est fait. Hop. Wow, putain. Bah, faut que je pose. Non, non, c'est bon. J'essaie d'occuper un maximum ces Iron Drake pour pas qu'il trop qu'il me tire dessus sur. Alors attends, ceci étant, peut-être lancer un sort aussi hein. Peut-être pas trop au niveau de mes bestioles éthérées, mais genre ici. Un petit cri là. Ça peut être pas mal. Bah boum. Ça va les traîner. Non, 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 non. Putain, mais pourquoi t'as lâché le combat? Ouais, ces tueurs, ils vont être chiés. Ah. C'est pas les quelques zombies que j'ai envoyés pour les retenir qui vont les retenir très longtemps. Bon, j'ai chopé les mineurs, c'est bon. Sur les brise-fer.
Non, on va essayer de faire lâcher tout le monde. Ok, eux ils ont fui aussi. Je vais t'assurer que ça lâche bien. Oh, elle prend cher là. La Banshee? Baisse par toi, bordel. Bah, retire là, ouais, du coup. Ouais. Je vais lui claquer. Ramène-la vers Amélie avec là où il y a son lord, je vais lui claquer une régène. Ah, de l'autre côté. C'est bon, elle revient. Attends de revenir. Et amène-la. Ah, oui, il va falloir. Rapproche-la de Amélie. Je sais pas qui lui fait aussi mal. Hop, c'est bon. Merci. T'as martelé plus le plus de brise-fer, ça picote comme ça. Ou les nains, ils aiment pas les slayers, ils aiment pas les catapultes. Bah, ça a pas beaucoup d'armure. Bon, son lord est en fuite. Ok, les brise-fer sont en fuite. Et les marteliers, on va leur enlever leur immunité. On va leur enlever leur immunité, on a dit. Ça y est, c'est bon. Bon, j'ai fait lâcher tout ce qui est autour de moi. Ouais. Je vais claquer une régène sur la Banshee quand même. Ouais, ceci. J'aimerais bien claquer une régène sur la Banshee. Elle l'a eu ou pas? Non. Pourquoi je peux pas la sélectionner? Je l'ai fait sortir. Elle est où? Je l'ai fait sortir à part. Non mais je peux pas lui lancer en nature. Enfin sur la barre en fait. Je suis obligé de la sélectionner. Bon, c'est bon, c'est fait, merci. Yeah. Je pense que tu as perdu des zombies. Oh, ah non. Comment je vais faire? Il y a des guerriers dans l'arme lourde qui ont. Ah nanana. J'ai son seigneur qui est parti pour me chercher mes catapultes. Bon, son héros qui est parti me chercher mes catapultes. Ça, je suis pas d'accord. Allez, c'est bon. Lâche au moral, lâche au moral, lâche au moral. T'es à moins 42 de leadership. C'est bon, il a fui juste avant d'arriver. Je te laisse terminer, tu vois. Ouais, non, alors, on voit pas les unités TR, je les catapulte depuis tout à l'heure, donc. Il reste. De toute façon, il reste que normalement tout reste en dehors, donc. C'est une sortie, mais vu ses points de vie, à mon avis, au prochain tour, c'est bon. On va passer en x4. Ah oui, il faut chasser du coup. Si on peut, si tu peux chasser un peu, toi, quelques unités rapides, ouais. Attends, dans ce cas, mais on pose. Pardon. Hop, toi, t'es sur lui. Toi, t'es sur lui. Toi. Va sur les brise-fers, c'est une très bonne idée. Entrer la hache. Mon dieu, le signe qui lance Total War Shogun 2. What the fuck. Oula! C'est bon.
Ah, j'ai pas réussi à choper son. J'ai pas réussi à finir son héros, tant pis. De toute façon, le prochain tour, c'est d'instant. Oui, normalement. J'adore Mortis Engine. Bah pour chasser, c'est plutôt pratique. Non, mais même, là, il est déjà à 24 000 de dégâts, le truc. Et encore, on peut pas voir les stats de Regen, mais à mon avis, ça doit être un truc de port aussi, donc... Allez, ça sert à rien. C'est presque fini. Ouais, moi, il me reste une unité à finir. Ah oui, c'est d'Iron Breaker, ça serait bien qu'il définisse cela. Mais t'es pas censé arrêter de tirer, toi? Putain. Bim. Je lui tire. Il y a des longues barbes aussi, là, il en reste 12. Ouais, je sais. Ouais, ouais. Non, il continue à tirer. Putain, mais... Il se fout de moi, hein. Bah, tu le mets en déplacement. Oui, c'est ça, mais je lui ai enlevé le tir auto et mis en déplacement, et... Il a pas pris mon ordre de déplacement, quoi. Bon, c'est bon, là, c'est fini. Et là... Il reste 7 longues barbes. 196 PV, normalement... 179. Ah, non, ils sont sortis. Hop là. 150 HP à mon avis, ils sont wipe. Bien. Bon, on va arrêter l'épisode là. Ah, tu perds quand même du Grégoire. Oui, bon. Bon. Eh, 108 pour... Peut-être que je les perds. Ah, 322 bah, les Slayers. 300. Ouais, bah attends, ils ont été contre du zombie, quoi. Ils ont été contre du zombie, du Spearman, tout ce que tu veux, tout ce que je pouvais pour les bloquer pendant que les catapultes les massacraient, donc c'est... Bon, on va couper l'épisode là. On vous remercie de l'avoir regardé. Bisous. On vous fait des bisous et on vous dit à bientôt. Ciao, ciao.